Brique après brique, la façade de la corderie d'Étaples reprend des forces. Alors là, on a tout déjointé, donc c'est-à-dire on a meulé les anciens joints et on refait tout à propre. Donc, nouveaux joints propres à la chaux. Antoine Douchet travaille pour l'association d'insertion Agir. C'est elle qui intervient sur ce bâtiment historique de la commune pour le restaurer. 500 heures de travaux pour que la bâtisse ne subisse plus des infiltrations. Un chantier avec des personnes en recherche d'emploi. Alors la réinsertion, pour nous, c'est ce qu'on appelle une sortie positive. C'est quelqu'un qui va pouvoir, une fois être passé à Agir, soit partir en formation, soit trouver un travail tout seul. Et bon, bien sûr, on l'aura accompagné pour ça. Et on a un taux d'un peu plus de 70% en termes de sortie positive. On pense qu'on a. On cherche ailleurs et si un jour on aura un CDI à la clé, on le prendra et voilà. La réinsertion peut être grâce à ce bâtiment centenaire, l'emblème de la ville. Ce bâtiment, en fait, il avait vocation à accueillir une fabrique de filets de pêche. Donc c'est quelque chose d'assez historique pour la ville puisqu'on a une activité maritime qui est très forte et qui reste présente avec une communauté de marins assez importante. Mais à la fin des années 80, l'entreprise qui emploie essentiellement des femmes de marins arrête son activité. La bâtisse devient une friche, mais la ville conserve et transforme ce patrimoine. Ces bâtiments, aujourd'hui, servent à accueillir le centre de découverte de la pêche en mer Maréis, l'office municipal de tourisme, une salle des fêtes et puis aussi la médiathèque municipale. Le chantier devrait durer jusqu'à la fin de l'été pour redonner à la bâtisse toute sa splendeur passée.